aventure avec le théâtre Liberté et Julien Avril, auteur et metteur en scène. C'est parti! On vous avait déjà raconté notre première rencontre. Oui, vous vous souvenez? C'est Julien s'était fait passer pour un martien qui ne connaissait rien au théâtre. Ah non, tu vas faire, alors si je comprends bien, tu vas faire semblant d'être Ennis. Voilà. D'accord, donc c'est toi, mais en fait, tu dis que c'est pas toi. D'accord, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être seulement Ennis ou ça peut être d'autres choses? Ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi? Par exemple, un quoi? Un arbre. Tu peux être un arbre, un truc comme ça. Ah, il faut faire semblant, mais il faut avoir un déguisement d'abord aussi. Un déguisement? Un costume. Ça veut dire que quand je fais semblant d'être quelque chose, il y a des gens qui viennent regarder ce que je fais. Ils doivent payer d'abord. Ouais, ils doivent donner de l'argent pour faire ça. Mais pour quoi faire? Pour se distraire. Pour se distraire, ça veut dire quoi se distraire? Pour s'amuser, au lieu de faire du sport, pour s'occuper. Ouais, vas-y. Ici, rien n'est gratuit aussi. J'essaie de les faire s'interroger sur cette question de la représentation et de comment est-ce qu'on raconte une histoire au théâtre. Donc on fait aussi un travail de lecture dans ce premier atelier où on essaie de comprendre comment on passe d'une problématique qu'on a envie de raconter, des choses qui sont importantes pour nous, comment on essaie d'en faire du théâtre. C'est quand on joue un rôle, d'accord. Je fais de la comédie en fait. Là je suis en train de faire du théâtre. Oui, mais oui, je te déclare martien, c'est fou ça. Oh, mais faut éclairer tout le monde ensemble. Le jeune homme avec qui il fait sa rencontre, parce qu'en fait il est triste, il est perdu dans sa vie, il cherche une meilleure vie et il essaye de trouver justement une meilleure vie, il cherche l'amour. Une nouvelle fois la musique s'arrêta, prit son téléphone. Je préfère écrire et jouer en même temps. Oui, j'aime ce projet. C'est extraordinaire. La morale de l'histoire, qu'est-ce que vous voulez dire avec cette histoire? Attends, c'est on écrit un jour. Je sais pas. On était une fois. Après, nous avons été reçus au Théâtre Liberté de Toulon pour... Eh bien, pour les interpréter nos dialogues. Avant, il faut dire que lorsqu'on est arrivé, Julien nous a fait faire un super échauffement. Et nous a expliqué le passage d'énergie. Tout le théâtre. Et on a répété. C'était aussi une manière de nous faire visiter le théâtre avec les grandes salles, les coulisses, les loges. Hey, franchement, t'es beau gosse, hein, tu sais. Ah ouais, si c'était mon siècle en fait. Bonjour, c'est quoi votre scénario? C'est... Athéna. C'est moi la star, ok? Changez-moi s'il vous plaît. Oui, vous me parlez de votre pièce. Alors c'est quoi? En fait, vous voyez, en fait, tu vois, c'est moi qui ai tout inventé. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, on a fait ensemble un viking, il y a un viking, c'est sur notre planète qui s'appelle Bikamaak. Et il y a un viking, il y a des vikings. Comment se battre contre les vampires? Tout le monde va rire. Je suis Athéna, fille de Dracula, princesse d'Ascar. Je viens défier le plus fort d'entre vous. C'est moi. Princesse d'Ascar, tombez sous le charme de l'un à l'autre. Athéna, tes yeux sont beaux comme des saphirs. Mort ou moi, et nous serons ensemble pour l'éternité. D'accord. Je vais t'en manger! Vas-y! Voilà, nickel! Coupé! Alors ensuite, metteur en scène, qu'est-ce qu'on fait? On commence par la lumière éteinte et on allume, comme ça sera mieux. Ouais, c'est bon? Allez, c'est parti! Comment est-ce que, en groupe, on se répartit les tâches? Qui va jouer? Qui va mettre en scène? Qui va faire
la petite régie du spectacle, du tout petit spectacle qu'on va représenter devant les autres, dans un endroit particulier, avec les objets qu'on trouve autour de nous. Comment est-ce qu'on passe d'un objet littéraire, ce qu'ils ont réalisé, ce qu'ils ont produit en atelier d'écriture, à un objet scénique, ce qu'ils vont représenter devant leurs camarades. Salut François, ta soirée s'est bien passée ? Je vais peut-être pas me croire, mais hier soir, j'ai gagné au loto. Mais qui es-tu ? Toi, qui es-tu ? Mickey, t'avais des super pouvoirs. Mais son ami ne le savait pas. Le lendemain matin, notre prof nous réserva un contrôle sur TV. Mets-le sur tes veines et tranche-les en deux. Non, j'en ai assez qu'on me dise ce que je dois faire et non, c'est trop risqué. Je t'ai pas dit, raconte-moi ta vie. Merci à tous en tout cas d'avoir participé aux trois ateliers. Je suis vraiment très content et assez fier de tout ce que vous avez pu présenter. Bravo à vous et tout ce que vous avez appris là. En termes d'écriture, en termes de dramaturgie, et en termes de savoir utiliser des signes, des choses très simples pour représenter quelque chose, c'est pour vous, vous le gardez, vous l'utilisez quand vous voulez, d'accord ? Alors, vous connaissez déjà Liberté ici à Toulouse ? Oui, oui. Vous y êtes déjà allé ? Non, on y va vendredi. Non. Vous y allez vendredi, c'est vrai, on c'est va sûr. Voir. Aucun homme n'est une île. Ah, très bien. On ne dit rien sur le spectacle de Julien ? Ah, on allait oublier. On a vu sa pièce en janvier, Aucun homme n'est une île. On était tous invités avec nos parents. C'était un spectacle génial et très original, avec une personne seule sur scène et son compagnon numérique. Virtuel quoi, Oscar. C'est vrai que c'était une super soirée. Il y avait du rêve, on a bien rigolé aussi. Et puis le comédien était vraiment très fort. Le spectacle était long quand même. Alors quand je pense à tout le texte qu'il a dû apprendre par cœur, en tout cas, chers auditeurs, vous avez bien compris que maintenant le théâtre n'a presque plus de secret pour nous. On adore! Merci aussi à Cécile et à Héloïse qui travaillent au théâtre et qui sont toujours là pour nous accompagner. En fait, c'est beaucoup grâce à elles que tout se passe toujours super bien. Et merci à nos professeurs, Madame Cèze et Monsieur Chiponi, de nous lancer dans de beaux projets comme ça. On a beaucoup de chance. À très bientôt, tout le monde, et surtout... Allez au théâtre! Liberté! Bonjour, je m'appelle Alexandrine. Je m'appelle Ashref. Tur. Lisa Ballot. Ça, c'est moi. Pour le projet D'une rive à l'autre, saison 3, par rapport au spectacle Aucun homme n'est une île. Donc l'idée était de faire un atelier par rapport aux avatars. C'est quoi un avatar ? C'est un personnage qui est pas réel. Ouais, c'est un personnage qui est pas réel, qu'on fait sur ordinateur, je sais pas. Enfin, je crois que c'est ça, non ? D'écriture, d'un plastique, on fait des petits films, des choses comme ça. C'est mieux que rester dans la cour à rien faire en fait. Au moins on peut laisser parler notre créativité. Ce que je préfère chez mes camarades sont leurs beaux visages. Et moi rien. Ce dont je rêve, c'est de replanter des arbres où il n'y en a pas. Et moi, c'est de dévaster les forêts. J'ai 15 ans le 6 juin, j'aime bien faire du skate et j'aimerais être riche. Et dans le futur, j'aimerais être riche. Et avoir des pouvoirs style Sangoku. Bonjour, moi c'est Ekelu Turfu. J'ai les pouvoirs de Sangoku et en plus j'ai un sabre. Ouais, ben en gros tu m'as recopié. Ben non, vu que je suis dans le futur, je suis toi, mais dans le futur. Ouais, on verra ça dans 10 ans. C'était les volontaires des classes de 5e et 4e qui ont déjà participé au précédent projet D'une rive à l'autre. Donc c'est histoire de garder un lien. Salut, je m'appelle Lilou. Je suis énormément rêveuse, mais surtout curieuse. Ma créativité borde ma gentillesse. Mon plat favori est la choucroute. Comme cela fait 4 ans que je joue de la guitare, j'aimerais devenir une musicienne. J'aimerais être un oiseau si je n'étais pas moi. Alors j'aimerais bien vivre dans une cabane dans les arbres. Mon personnage
que j'aimerais bien être, pour moi-même, c'est Artache Mousture. Ce que je déteste par-dessus tout, c'est que quand je suis en train de réfléchir, on me dérange. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ? Je photographie la nature. Attends, au lieu de se battre, on pourrait peut-être fusionner, mais pour ça, il faut ton accord. Alors ok ? Ok. À 3. 1, 2, 3. Fusion ! On a fusionné. C'est moi, Jean Mouloud. Je vais vous raconter une blague. Quelle est la différence entre un robot et une bouteille de ketchup ? Aucune, ils sont tous les deux automates. Bonjour. La Fondation Société Générale est très heureuse de soutenir le projet du Théâtre Liberté d'une rive à l'autre. C'est un projet qui entre tout à fait dans le champ d'intervention de la Fondation Société Générale, qui a deux axes d'intervention particuliers. D'une part, favoriser l'insertion professionnelle et d'autre part, lutter contre le décrochage scolaire. Ce projet, d'une rive à l'autre, est un projet généreux dans la mesure où il vise à développer l'éducation et faciliter l'accès à la culture. C'est aussi un projet d'ampleur, dans la mesure où il permet à une classe d'âge, soit environ 200 élèves, d'être associés à cette opération. Et c'est un projet réussi, puisqu'il a permis d'enregistrer des résultats scolaires significatifs. Au total, donc, la Fondation Société Générale est tout à fait satisfaite d'avoir été aux côtés du Théâtre Liberté pour lutter contre les inégalités, et nous disons bravo au Théâtre Liberté.